Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors sur la page Facebook, oui, je viens de publier une publication, c'est con à dire ainsi, et dans laquelle voilà, je mets en avant STK. STK, c'est Super Tuxcart, saloperie de GSM. Pourquoi je le mets en avant? C'est pas la première fois, hein. Mais parce que la version 1.0 est sortie. Et attendez, je me mets hors ligne, ne pas déranger. J'ai dit ne pas déranger. Voilà. La version 1.0 est sortie et elle était fort attendue, cette version, parce que c'est la version stable, hein, 1.0, et elle apporte une chouette nouveauté qui est le mode multijoueur online. J'avais déjà fait une vidéo avec la version bêta. Mais qui. Ouais, je sais pas si elle portait le numéro de version 1.0, mais j'avais fait une petite vidéo de présentation de STK et de son mode de jeu online. Ici, je sais pas si je vais essayer le mode online, mais je vais juste faire une mini partie. Ben voilà, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. En avant! Alors, n'oubliez pas de passer dans les réglages général, toujours afficher l'écran de connexion, moi je ne l'ai pas coché, se connecter à Internet, oui, envoyer des statistiques anonymes sur la configuration matérielle, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez, hein. Activer le chat durant les parties, activer les handicaps par joueur, non, graphisme, j'ai laissé tel quel. Alors, synchronisation verticale, non, je ne l'ai pas activé. J'ai choisi ma résolution. Ouais, je joue sur une petite résolution. C'est un vieil écran Acer X193HQ, vous imaginez. Allez voir sur Internet, vous verrez c'est quoi. Je demande quand même le mode plein écran. Audio, j'ai laissé tel quel. Interface utilisateur aussi. J'ai juste demandé l'affichage du nombre d'images par seconde. Écran partagé horizontalement. Quand j'utilise le mode multijoueur, joueur. Et voilà. J'utilise un compte en ligne. Mon nom utilisateur. Mon passe, vous ne le saurez pas. Commande. Je vais jouer grâce à un gamepad. Voilà comment j'ai réglé mes boutons. La langue. Il y a le mode histoire, le mode solo. Multijoueur local, vous pouvez jouer en local, un multijoueur, donc vous êtes chacun sur votre machine, il y a un scan qui se fait sur le réseau, un scan, une détection. Ah, j'ai trouvé une autre machine avec Super Tuxcart, et voilà, on joue ensemble. Le mode multijoueur en ligne, les extensions, allez, les extensions, cartes, pistes, arènes. Donc moi je vais juste jouer un petit solo. On va commencer en douceur. Je vais prendre le Texan. Allez, on va faire un petit novice. Et on va prendre le premier. Allez, c'est parti. On prend de l'avance, yeah. Ça ne demande pas énormément de ressources si on laisse les réglages par défaut. Maintenant, même si malgré ça, ben voilà, vous avez peu de ressources matérielles, vous pouvez descendre la qualité des graphismes. Ou alors, si vous avez un monstre chez vous, ben vous pouvez les monter, hein. Vous pouvez monter la qualité des graphismes à fond. Ça pourrait, même sur un monstre de machine qui possède un bon GPU, ben ça pourrait, attention, hein. Je vous parle, moi,
fais des conneries dans le jeu, ça pourrait, enfin pas sur une carte, pas sur un bon gros GPU, ça ramera pas, hein. Mais sur un GPU moyen de gamme, graphisme à fond, ça pourrait avoir des lags, hein. Pour vous donner un exemple, sur une carte, donc une Nvidia GTX 650 Ti, c'est pas une nouvelle carte du tout. Mais bon, à l'heure actuelle, en 2019, elle peut faire encore le taf. Mais si je mets les graphismes à fond, ben, ça va pas. Hein. Là, je suis en novice. Hein. C'est pour ça que je me promène. Hein. Mais c'est gay, on a l'impression d'être le meilleur. Ben, on est le meilleur, mais en novice. On est le meilleur des plus nuls, en fait. Voilà, c'est ça. On est le the best des nulos. Je vais gaspiller, mais hop, voilà. Oh, salopard! Allez, je reprends de l'avance. Dernier tour. Voilà, c'est ça, STK, si vous ne connaissez pas. C'est un peu le Mario Kart du monde libre. Ouais, merde. Et franchement, et voilà, c'est un jeu qui a été créé pour donner de la... Allez, pour que l'on s'amuse, tout simplement. Le gameplay, c'est presque comme sous Mario Kart. Franchement, c'est très bon gameplay, super réactif. Les graphismes, ben voilà, si vous les poussez à leur maximum, ils peuvent être beau, très beau. Et voilà, c'est l'amusement qui prône, qui est mis en avant. Vous ne sauriez pas vous emmerder en jouant ce petit jeu là. Tu as gagné! Yeah! Ami the best des nulos! Bon, on va quand même aller en intermédiaire. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Solo. Normal. Allez, il volcanique en intermédiaire. Nombre de tours 2, nombre de cartes. IA, c'est intelligence artificielle. Mon PC va savoir conduire 3 cartes. Yeah. Allez, on y va. Laisse créer un petit serveur Blabla Linux et jouer en ligne. Ça pourrait être génial, hein. Allez, Annie the best. Je veux terminer premier. Ce n'est jamais que intermédiaire.
l'ai eu ou pas? Non, je l'ai pas eu. J'espère que j'ai pas trop de tics quand je joue et que je suis concentré. Ouais, ce qu'on dirait pas, mais je suis concentré là, ça m'arrive. Oui, je l'ai eu. Annie the best. Oh merde, salopard. Ah ouais, l'intermédiaire, ils sont un peu plus coriaces. Hein. Oh, il y a que deux tours en plus. J'aurais peut-être dû en mettre trois. Je vais le suivre, celui-là, je vais pas le lâcher. Voilà, mon coco. Viens ici. Passe. Merde, j'avais oublié que je pouvais prendre ça. Allez, go, go, go! En plus, il me colle au cul, hein, le salopard. Allez. Allez, c'est bon! Tu as gagné la course! En intermédiaire. Retour au menu, solo, standard, expert, expert. Allez, on prend celle-là. Pique enneigé. Nombre de tours, 3. Nombre de cartes, IA, 3. Je le sens pas bien ici. Je vous jure, je le sens pas bien du tout. Je vois déjà le départ qui m'en fait. Mais c'est des malades. Eh merde! Ah non! Et merde, bordel! Ah, mode expert, c'est plus les nuls ensemble. Vous devez me voir danser sur la chaise, quelque chose de rare. Ouais, ça c'est bien revenu, Annie. Wow. Viens ici, toi.
Year. Ouhouhouhou, que c'est beau! J'arrête là tellement c'est beau. Magnifique. Alors ce que je propose, c'est la prochaine vidéo, c'est de vous montrer un peu comment fonctionne le mode online. Allez, sur ce, moi je vous dis bye bye. Et la prochaine vidéo, ce sera le mode online multijoueur. Et pourquoi pas un de ces quatre se créer un petit serveur, blabla Linux, et jouer ensemble. Que je vous mette la pile, bande de nullos. Allez. Ciao, ciao.